Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de The Last of Us Part 2. On s'est arrêté sur un petit flashback très mignon. On est d'ailleurs toujours dans le flashback, à mon avis, on va pas tarder à revenir dans le présent. Il y a toujours le chat Twitch qui est juste ici. Toujours très beau et très soyeux. Là, regardez, hop là. Waouh, c'est soyeux, c'est beau. On retourne dans le jeu, c'est parti, on y va. Attends. Bourrin. Ça, c'est un vrai bonhomme. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans un... Allez. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Génial. Écoutez, ça va être un épisode full musée, les gars. Je veux dire, à un moment, là, ça ne s'arrête pas. Ils ne s'arrêtent plus. Ils sont partis sur un bail de musée, ils ne s'arrêtent plus. Eh, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Ouais, les gars, il va y avoir un infecté derrière, vous allez vite vous calmer, hein. Vous allez vite déchanter. Hein. Ouais, allez. Vous avez de la chance, mais... Vas-y. Est-ce qu'on voit sa morsure? Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. On la voit. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Waouh, c'est joli. Oh, garde le moral, mon vieux. J'ai tué pour eux. C'est tout de suite moins glauque, hein. Enfin, c'est tout de suite moins joyeux, je veux dire. Voilà un qui en manque de câlin. C'est tout de suite un petit peu plus glauque, hein. Oh, les gars, pourquoi je le sens mal d'un coup? Il fait sombre ici. Ouais, oh, de ouf. Les 4 soldats à l'entrée, le dernier à pleurer. Ah, c'est tout de suite plus glauque là, un peu. Je préférais l'ambiance d'avant. J'ai pas vomito. Oh, merde. Oh, fuck. On a torturé la femme, elle s'est noyée dans son sang. Putain, ah ouais, l'anniversaire qui tourne de drame. Fuck. Montre-toi. Génial. Putain. Aïe, aïe, aïe. Les gens dans le fourgon, les enfermés dedans, on l'a arrosé d'essence. Bah c'est joyeux tout ça les gars. Ouais, j'ai 5 balles, pas une de plus hein. Ok. Oui, je pensais pas qu'on allait jouer autant Ellie petite. Je sais que ça allait être un petit flashback sans plus. Les vagabonds qui sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger. There is no light. Il n'y a pas de lumière. Nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous, il ne reste plus rien. J'ai pensé que venir ici révélerait quelque chose, me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un des premiers souvenirs d'avant l'épidémie, avant la cruauté, la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face. Eh bah très bien. C'est génial. Oh putain, j'ai peur. Putain d'animaux en toc. Ah ouais, putain d'animaux en toc, mais tellement frère. Putain, j'ai eu peur. Quoi ? Un sanglier ? Très bien. Oh putain. Liars, menteurs. Pas très rassurant cette histoire. Ellie, je suis là. Je me suis fait attaquer par un sanglier, frérot. C'était quoi ça? Rien, c'était juste un animal. Ah, c'est joyeux. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre.
bien. Là, on va repartir dans le présent, je pense. Enfin, 3 ans plus tard, du coup. Seattle, jour 2. Ok. On passe au jour 2. C'est marrant que ce soit découpé en jour. Ah, par contre, très bien, quoi. Je veux dire, Dina, elle a passé sa nuit de son côté, elle de son côté. Bah, nickel, les gars. Comme ça, s'il y a des gars qui nous attaquent, très bien. Chacun son bail. C'est pas forcément le bon plan. Hein. Oh, ça pue, putain. S'entraîner. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On s'entraîne pas, on a pas le temps. Ouais, on promet d'aller voir. Bah ouais, forcément. C'était sûr. Ah, elle est retournée. Elle est en train d'essayer de jouer. Enfin, de jouer avec la radio. Dina, ok. Elle est là. Merde. Ah, elle est en train de se vider, les gars. Elle est pas bien. Ah, elle a essayé de la réparer. Elle est en PLS, hein. Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Bizarre, ça. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. On va pas aller très loin avec toi, hein. Ça fait du bien. Écoute, je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de scars? À vous. Ce ne sont pas des scars. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Dina. Ouais. Ça va pas fort. Ouais. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ok. Nos chemins se séparent. Elles sont trop touchantes. Je suis pas fan du plan. Je suis pas fan du plan. Mais soit, on n'a pas le choix. Mais j'avoue, je suis pas fan du délire de on se sépare, on la laisse faire ce bail là-bas. Je suis pas fan. Mais bon, écoutez, on est tout seul maintenant. On peut compter que par nous-mêmes. Et là, on a plus de Dina qui va tirer sur les gars à notre place. Hein. Là, c'est la merde. Hein.
On peut compter que sur nous-mêmes. Ouais, hein. C'est le bon endroit. Par contre, c'est le bon endroit pour trouver un arc. Enfin, pour ne pas trouver un arc. Aucun. Ah, pas d'arc. Bah. Parce que, hé, dans les trailers, elle est toute seule. Et elle a un arc. Donc, à un moment, moi, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas d'arc. On va fouiller les magasins. Parce que peut-être qu'il y aurait un établi, possiblement. Ce serait pas mal. Donc dans le doute, on fouille. Hein. En plus, on peut récupérer des petits matériaux, c'est pas plus mal. Okay. Ah, yes! Ah putain, lourd! Ok, on masse matériaux. J'adore, je trouve ça génial. Masse matériaux, des... Putain, des pistolets, des stimulants. Les gars, c'est le feu ici, c'est incroyable! Ici, on a quoi? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Eh, qu'est-ce qu'il a ici? Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Dites-le-moi! Dites-le-moi, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Répondez-moi! Trop d'indices! Trop d'indices! Trop d'indices, les gars! Eh ouais, c'est un arc! Ok, on peut mettre enfin le petit... la petite lunette de snipe. Parfait, putain, le feu. Oh là là, on va se... Et avec ça, on va se régaler. On va se régaler. Oh oui, oh magnifique, magnifique, magnifique. Oh, Maxime est content, Maxime est très content. Ok. Bah, pour l'instant, je pourrais rien faire de plus. Ah, le feu, le feu, le feu. Ok, on va récupérer ça aussi. Tac, tac, j'ai vu. Appuyez sur croix en visant pour mettre la lunette. Donc, je peux faire ça. Oh, c'est génial. Ok, trop bien, trop trop bien. Je suis trop content. Ok, en termes de munitions, tout ça, on est vraiment archi bien. On est passé par là, on est arrivé. Attendez, il est où le van avec le mu? Ok, tac, on est passé par ici, donc c'est par là. Bon, nickel, on a terminé, on va pouvoir avancer un petit peu. On est, franchement, niveau munitions, regardez, on est vraiment bien. Il y a juste le fusil à pompe où franchement, il y a R. On a R, mais à part ça, ça va. On est très très bien, on est vraiment très très bien. Ok, je fais comment pour monter? Merde. Ok. Ces connards sont trop nombreux. Ah ouais, tu m'étonnes. Tiens bon, Tommy. Tommy, je le vois vraiment comme... comme l'américain qui arrive et qui fait ah, les gars, hey, la loi c'est moi, je nique tout. Le mec il vient tout seul, frérot. La meuf elle le dit, oh, les gars, ils sont combien? Ah, ils sont pas combien, c'est il est tout seul. Le mec arrive comme un héros, ça me bute, c'est Chuck Norris quoi. C'est incroyable. C'est fou parce que maintenant qu'il y a plus d'Ina, on se sent bien plus seul. Non, on est pas d'accord, vous êtes pas d'accord, c'est vachement plus oppressant. Hein. On est tout seul là, on se dit, les gars, vraiment. On peut compter que sur nous, quoi. Sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Oh merde, y'a des chiens. Oh, oh merde. Les infectés. Faut qu'on entre. Fuck. Oh putain, pas le chien, pas le chien. Oh putain. Je crois que ce type a un lien avec la fille de l'école. Pour tout. C'est clair. J'ai entendu du bruit. Je vais voir ce que c'est. Les gars, je vais être obligé de tuer le chien. Les gars, il... Fuck. Encore ce bruit. Putain. Je vois que dalle. Et toi? Oh, que dalle. On va fouiller tous les magasins. Oh, mieux vaut pas prendre dégage, le risque. Dégage. Ok. Oh, allez, vas-y. Faut que je la bute elle, mais faut que je m'éloigne de lui. Ouais, bah les gars, si j'ai pas le choix... Oh putain la vache! Ah ouais, non mais d'accord! Ah merde! Mais ils sont super nombreux! Oh fuck 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 fuck. Je m'attendais à qu'ils soient que eux deux en fait! Vous avez vu le nombre qu'ils sont? Vous avez vu le nombre! Oh les gars, je suis un chenipan. Par où je dois aller? Oh le chien, s'il te plaît, fais pas ça, s'il te plaît, reste à ta place. J'ai pas envie de te tuer, tu vois, j'ai pas envie de me débarrasser de toi, donc... cherche pas la merde. Okay. Très bien, pour l'instant... on est bon. Oh frère, tu vas pas venir ici quand même, c'est une blague. Tu mens. Non. Oh non. Oh merde. Ah.
Oh non, 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 le chien, non, le chien, non, le chien. Eh merde. Je dois le buter, je dois le buter. Aïe, 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 aïe. Fuck, 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 putain, le chien. Je suis désolé. Je suis désolé, hein. Mais là, pas de choix. Hein. C'était lui ou moi. Je suis désolé, les gars. Merde. Il a, ta gueule, putain, t'es fou, toi. Il va y avoir un deuxième chien, en fait. Arrête. Je suis désolé, ça me brise le cœur, les gars, mais là, je peux pas, c'est impossible d'éviter ça. Hein. C'est impossible. J'ai essayé, hein. J'ai tout fait, hein. Wow. Doucement. Oh merde, je suis dans la merde. Ah, je suis désolé, il y en a que un, mais putain, je peux prendre le risque. J'ai qu'une 4% de vie, les gars. Je prends pas le risque. Ça dégage. Ok, ça va aller. Oh putain, mais mes munitions, elles sont parties en fumée, les gars. Je crois qu'il en reste. Ok, il en reste un là-bas. Ah, j'ai brûlé un chien aussi. Yes, d'accord, très bien. J'en ai buté 3, d'accord. Ils sont deux. Ok, alors toi, frérot. Hey, je crois que je l'ai repéré. Je vais voir ça. Voilà. Et toi. Ok, c'est bon. Pourquoi on me donne des munitions d'une arme qui ne m'intéresse pas? Ok. Bon. Écoutez, c'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. mais bon, écoutez, c'est la rue. Les chiens ne dérogent pas à la règle. C'est la rue pour tout le monde, les gars. C'est la rue pour tout le monde. Même pour les chiens. Ok. Alors on est jamais trop sûr. On barricade. Hop, on récupère ça. Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre aussi? On peut récupérer. Non, y'a rien là. A mon avis, c'est pas fini. Hein. Je pense qu'on va encore en avoir quelques-uns sur le dos. Ah, est-ce que je peux monter par là? Oui, je peux clairement monter par là. Non, je peux clairement pas monter par là. Est-ce que je vais devoir récupérer une poubelle pour monter par là? Oh, je connais le jeu pas. Eh les gars, The Last of Us, mais. Oh là là. Eh, The Last of Us, je le connais, c'est le son. Hein. Je connais les bails. Bien sûr, je connais les bails. Ah, salut la poubelle. Hein. Passe une bonne aventure. Hein. Ok. Bien entendu. Il y a quand même des bruits chelous. Hein. Je vais tenter, hein. Ça ne marchera pas, c'est évident. Vite, délivre! Ça marchera pas. Pour moi, puisqu'il y avait deux trucs jaunes là avec les bandes noires, je me suis dit que bah, c'était forcé d'être ici, que ça marcherait pas de l'autre côté. Mais si en fait vous avez raison, ça pouvait carrément marcher ici, vite, dépêche-toi. Ouais, ça marche, ok, très bien. Parfait, ok. Pas plus simple que ça. Très bien. Ça a marché. Ok. Alors, où on est? On est. On a un établi, mais on n'a pas spécialement de matériaux en plus, ça sert à rien qu'on s'y attarde. On a du soin. Ah, des balles, ça c'est bien ça. Parce qu'on commence un peu à manquer de balles au niveau de ce flingue-là. L'autre flingue, ça va, mais celui-là est évidemment celui qui a le silencieux. On commence un petit peu à être en manque. Sans le fight ici. Il y a plein de petits endroits, ça sent pas bon. Ouais, il y a des bruits chelous, on est d'accord. Je suis pas forcément rassuré de ouf ici. Oula. Oh putain, j'aurais jamais voulu descendre là. Oh, me dis pas qu'il y a un puant. Je le sentais venir. J'ai essayé de pas les tuer. J'ai essayé de les esquiver. J'aimerais éviter l'affrontement si possible. Vas-y frérot. Voilà. Et t'es bail, mon pote. Et si on m'a amené ici, c'est forcément qu'il y a des trucs intéressants à récupérer. Des balles, des bails comme ça. Et là, je vois les trucs qui m'intéressent. Comme par exemple, 2 balles de fusil de chasse. Ça, on prend. Oh, les deux sont en face de moi, les gars. Chez, terminé.
Ah, vous pouvez pas venir, les gars. Ah ouais, on fait moins les malins, là. Ok, bon. T'imagines, là, il pète le mur et il me fonce dessus. Mec, je serais tellement pas bien. Bon, je sais pas trop pourquoi on est allé là-bas. Je pense, ah, peut-être que, ouais, peut-être pour accéder à cet endroit-là. Je sais pas, non, même pas. Alors, j'ai manqué un truc. Possiblement, je sais pas. Oh, précision. Intéressant. Stabilité de l'arme. Allez, ça prend directement. 100% de stabilité en plus, 100% de précision en plus. Ça, on va le sécher, ce truc-là. On va le sécher. Vous devez acquérir une arme spécifique pour développer cette compétence. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On est en train de me teaser, là. On est en train de me teaser, ça me fait plaisir. Ok. Oh, fuck. Ok, ça va. Ouais, c'est l'arc. Ouais, c'est que lui. Ah, yes, on a plusieurs, d'accord. J'ai pas envie de trop de la jouer discret là, je vais juste les éclater. Il okay, faut que j'aille là-bas, d'accord, j'ai compris. Voilà, bon, c'est fait. Toi, on va te choper aussi. C'est quoi, j'ai même pas envie de faire d'efforts. Ouais, ça dégage. Ok. On prend ça. Allez. Faut pas se déconcentrer. Exactement. Faut grimper là-haut. Exactement. Parce que je suis un vrai gamers. Vous le savez. En plus, c'est une poubelle. Il y a un truc, ça veut dire qu'il va falloir que je me foute quelque part avec la poubelle. Je ne sais pas où, par contre. Bonne question. Ah, ok, d'accord, il y a une porte derrière. Ok, j'avais pas vu. Attends pour moi, il y a une porte derrière. Il y a une porte derrière, apparemment. Wow! Eh, ça, c'est du réflexe, les frérots. Ça, c'est du réflexe, bien sûr. Bien sûr, vous croyez que je suis qui? Vous croyez que je suis qui? Eh! Oh là là, eh! Je veux pas me jeter des fleurs. Mais je suis un monstre. Je suis désolé. Ah les gars, je suis un monstre. En plus, je marche dans les flammes de l'enfer, dans les flammes de la rédemption et de la vengeance. À un moment, voilà. Oh frérot, t'es le boss, hein. Oh, t'es le boss, hein. Il y en a un qui m'a donné un bail là. Eh, le boss. Ok. Ah, nickel. Je sais pas ce que ça va faire, mais c'est le boss. Ah oui, j'ai pouvoir. Comme le flingue, comme l'autre, j'ai pouvoir du coup changer de flingue directement. Sans me prendre la tête, c'est ça, voilà, c'est ça. Oh, le feu, putain, on se régale. Ok, comme ça, voilà, nickel, trop bien, putain, génial. Je suis ravi. Ok. Eh ben, nickel. Eh, franchement, archi bon bail cette poubelle, hein. Archi bon bail, hein. On est heureux ou on l'est pas? On est très heureux. Ah bah là, c'est pas GG à moi, hein, c'est GG à vous. Ok, alors. Oh les gars. Oh, juste au cas où, hein. Eh, ça me régale. Le juste au cas où. Putain, je t'aime, Ellie. Oh là là, juste au cas où. Et un arc. Juste au cas où, non? C'était quoi? Ouh, c'est passé quoi, les gars? Il y a eu une explosion. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'espère que c'est toi qui as fait ça. Ah, très bien, d'accord. Oh non, il y a des chiens, putain. Oh merde. Ah non, c'est désinfecté, ça va. C'est pas des chiens, c'est désinfecté. Ok. Eh, juste cas où, hein. Merde. Ça dégage. T'es pas mort? Une blague? Ça va, bon, faut mourir les gars. Ok. J'avais la flemme de jouer la discrétion avec eux, ça va, c'était que trois petits coureurs. Ça va, qu'est-ce qu'ils allaient faire contre nous? Hop là. Bon allez les gars, vous avez trop fait durer le plaisir, on a compris, c'était mignon, c'était sympa. Maintenant il est où mon arc les gars, je rigole plus avec vous. On a joué, hein, juste au cas où, donne-moi mon arc, donne-le-moi, je le veux maintenant. Je veux mon arc tout de suite. C'est un caprice, c'est clairement un caprice. Je veux mon arc maintenant. Je veux mon cadeau tout de suite. Yolanda, je suis désolé, je pourrais plus m'occuper d'Alfie. C'est la raison aussi, les wolves, finalement, ils sont encore pires que l'armée. Non mais les gars, les wolves, putain, je les ai empoisonnés les uns après les autres, passés pour les tuer, j'ai eu de quoi les endormir. Ensuite, je les ai traînés dans un garage rempli de sport. Ulysse s'est réveillé et on s'est battu. J'ai réussi à l'enfermer, ils m'ont mordu. Ces traîtres pourront assister à leur transformation, ils vont souffrir. J'espère qu'ils penseront à moi quand ils commenceront à sombrer. Moi, ça a déjà commencé, j'en ai plus pour longtemps. Ok, donc Boris est mort dans le game. Ah ouais, Boris a pris cher, hein. Boris a pris, il a pris tarif, Boris. Hein. Je ne sais pas qui est Boris, mais Boris a pris tarif.
Ok. Les gars, c'est très gentil de me filer de l'alcool, de me filer des balles et tout, mais c'est pas ce que je veux. Donnez-moi mon arc! Oh putain, tu m'as fait peur! Oh bah tiens! Mon arc! Eh, hey, suffit de demander! Et viens à moi! Allez, file-moi mon arc! Ah mais frérot, t'es sérieux? C'est bon. Finalement, mon arc, dépêche-toi, on n'en parle plus. Allez, ça dégage. Ah oui, mon arc, il est là, les gars. Yeah, c'est mon arc. Oh là là là, c'est beau. Eh, c'est Noël. C'est Noël. Oh, ça me régale. Oh, j'adore. Putain, la larme de la discrétion par excellence. Parfait. Bien sûr que ça va le faire. Ellie, c'est une machine de guerre, les gars. Ça me bute. Elle a des flèches, elle a un arc, elle a un fusil à pompe, un sniper, des guns, des silencieux. La meuf, c'est une armurerie vivante. Ça me bute. C'est incroyable. Et du coup, on a activé ça. Après, de confectionner plus de flèches avec le même nombre de ressources. Ok, 3 flèches au lieu de 2. Bien. On apprécie. Vraiment. Vraiment. C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins. D'accord. Ok. Bah écoutez les gars, si on va s'entraîner, je m'entraîne. Hein. Oh là là, tireur d'élite. Bon, moi j'ai récupéré des flèches. Ah, je suis content, je kiffe trop. Du coup, il va falloir que je vire... Je vais virer le fusil à... Oh, quoique le fusil à pompe est lourd quand même. Voilà, je vais garder ça comme ça et on verra plus tard. Le fusil de chasse, on peut le garder, mais... Le fusil de chasse est cool. Mais il fait masse bruit. Alors que là, l'arc, c'est archi incroyable, l'arc. J'ai vu un mec. J'ai une fille. Est-ce que tu l'as vu? J'ai pas, mais l'autre est pas loin. Ah, merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Mais comment c'est possible? Contente-toi de les trouver. Ça dégage, allez hop là, ça dégage. T'es pas mort? Elle a filé dans les hautes herbes! Putain, oh mais putain, sérieux! Oh, j'ai chien, là j'ai chien! J'y vais! Oh, arrête, le chien! Putain, sérieux! Alors, je suis désolé le toutou, mais à un moment. Tu cherches aussi! J'ai voulu être discret. Non, en fait, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu du tout. Je me suis dit que le cocktail Molotov les tuerait les trois. Je me suis vraiment dit. Non, par contre, c'est pas le moment. Je me suis vraiment dit que ça les tuerait. Hein. T'arrives quoi, par contre, frérot, à un moment. Calme-toi. Quoi? Quittez-les. Oh là, cette esquive. Pardon, madame. Quoi? Mais pourquoi j'ai ça? C'est pas ça que je voulais. Je vais crever. Non. Quoi? Non, frérot, ça va. Non, c'est pas ça que je veux. Pardon, excuse-moi. Attendez, monsieur. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Oh, j'ai 1% de vie. J'ai 1% de vie, les gars. C'est la merde. Ok, ça va, ça se passe. On est en train de tout reconstruire. On repart de zéro, là. Je vais créer des petits cubes de soins, on est bien. Voilà, ça va. Quoi? Mais quoi? Pardon? Mais c'est une blague! Ah, Rambo! À un moment, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais il s'est passé quoi lui? Viens me trouver. Ça m'est... Ellie, qu'est-ce que tu fais? Ellie, c'est pas le moment d'avoir Parkinson, Ellie. Là, je vais pouvoir utiliser mon arc. Est-ce que je chope ou pas d'après vous? Oui, mais je l'ai pas tué, je crois. Si? Oh putain, j'ai géré. Et il y a pas dit, ok. Bon, on va y comme ça. Donc, tant qu'elle dit pas quelque chose, c'est qu'à mon avis, il reste des gens. Il doit rester un gars quelque part. Il est là. Ok, d'accord, je vois. Au-dessus? Ah, il est au-dessus. D'accord. Très bien, je vois. Ah
morte? Elle est pas morte? Elle est morte, ok. Non, arrête. Je veux plus. Ok. Là, tu étais où? Ils sont beaucoup en fait, les gars. J'entends partout, mais je les vois pas, mais c'est pas possible. J'ai ouvert une porte devant lui, c'est ça, c'est une blague? Ok, je le vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, et deux. Et l'arc, c'est vraiment le feu, les gars, j'adore. Désolé, hein, mais je peux pas me permettre. Là, je peux pas me permettre de me faire avoir par un chien, pas possible. Appelez-moi Katniss Everdeen. Appelez-moi Lara Croft, enfin ce que vous voulez, mais les gars, je suis une machine. Sora Croft, c'est tellement ça. Voilà l'étage. Je sais qu'il y en a un qui est en hauteur, et j'arrive pas à le trouver. Donc il va falloir que je me foute en... Putain. Ok. Bah mon pote. Merde. Salut. C'est bon. Non, fausse alerte les gars, y'a personne. Je m'attendais pas à qu'il tape un sprint en fait. Je m'attendais pas à qu'il tape le meilleur sprint de sa vie au dernier moment quoi. Et mes flèches, sinon je les récupère quand? On m'a dit ouais, tu pourras récupérer quelques flèches quand tu tueras des gens. Ouais, depuis tout à l'heure, je récupère que dalle en flèche hein. Regarde, je récupère aucune flèche, sérieux, c'est pas juste. Et vos munitions, je peux en recréer? Ouais, je peux en recréer. Ça va vite par contre les flèches, quand tu peux pas les récupérer, ça va vite hein. Y en a encore, je comprends pas. Est-ce que c'est toujours le mec qui est en haut là? Mais oui, putain, c'est toujours lui, hein. Mais lui, les gars, il lâche rien. Elle va ouvrir la porte. Une là. C'est tout. Bon, j'ouvre la porte, hein. Toc. Qui est là? C'est moi. D'accord, très bien. Ah bah, fallait aller plus vite, hein. Ok. Je crois que j'ai tous celui-là. Je crois que là, ils sont tous morts. Je pensais pas qu'elle allait autant... Je pensais pas qu'elle allait prendre autant de temps pour ouvrir la porte, ça m'a fait peur. Ellie a rien dit, pourtant j'ai l'impression de les avoir tous tués. Mais peut-être pas, peut-être qu'il y en a encore. Attends, quand elle fait ces bruits là, c'est qu'il y a... Voilà, c'est qu'il y a des gens. Oh merde. Pas par ici, c'est faux, il a... fausse alerte. Je vais te choper, J'ai vraiment raté ça. Y'a pas un chien quand même, y'a pas un... Ah, viens, c'est toi contre moi. Hop là, ça dégage. Je suis désolé le chien, mais à un moment... Aïe. Stop. On s'arrête là. À un moment, ça va. Hey. Le chien, je l'ai mis... Oh là, le chien, il a pris tarif, les gars. Le chien, il a pris ce qu'il mérite. Par contre, Ellie a toujours rien dit, donc ça veut dire qu'il y a toujours des gars quelque part. Hein. Ça ne s'arrête pas, hein. Ça ne s'arrête jamais. Hein. On va descendre, et je pense qu'on s'arrêtera là. Wouh. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter en pleine action. Voilà comme ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ce nouvel épisode de The Last of Us 2. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Soyez patients, ça arrive. Des bisous. Salut.